Bonsoir Monsieur Archambault, vous êtes le directeur de la Société des explorateurs français. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pour vous quel est l'enjeu d'un festival comme Lumexplore ? Ce festival Lumexplore, qui en est à sa troisième année, donc, est le résultat d'une démarche de la Société des explorateurs qui est de mettre au service du plus grand nombre en fait, le lien qui existe entre science, recherche et exploration. C'est une manière de dire que l'exploration aujourd'hui non seulement n'est pas terminée, mais à un avenir sur beaucoup de plans différents. Les fonds marins, l'espace, comme on l'a vu tout à l'heure, la grande forêt, les déserts, tous les milieux. Et c'est cette démarche auprès des plus jeunes publics, notamment, et puis de tout le monde, et avec l'EDEN, ici à Ciotat, ce qui nous a plu de faire ça. Le festival, bah, ses enjeux, c'est de faire connaître et ressentir l'exploration scientifique. Et d'ailleurs, je viens de voir le film d'Alain Tixier sur Thomas Pesquet et sur la navette, pas la navette, la station spatiale internationale et l'idée d'aller sur Mars, bah, c'est exactement ça. On se rend compte de la réalité de cette exploration scientifique, on la ressent. Et ça, c'est vraiment bien. En plus, les gens qui me reconnaissent, c'est des gens qui aiment voyager, c'est des gens qui sont ouverts d'esprit, qui ont envie de voir d'autres choses. Et ici, justement, on voit d'autres choses. Une dernière question avant de vous laisser partir. Vous allez dormir où, c'est ça? Je dors sur le grand bateau qui est en face. Et je dirai pas mon numéro de cabine pour être sûr que personne ne débarque.